inquiétez pas, parce que grâce à ce créneau là qu'on est en train de faire, les couplets, on va les écrire à vitesse. M'appelle Schmitt, des chanteurs d'actu. Cet après-midi, j'étais avec Loka Tangata pour monter un atelier d'écriture qui s'appelle Chansons Debout. Au départ, nous, on est un collectif chanteur d'actu. Il y a moi, Schmitt, Scuderi, Loka Tangata qui nous a rejoint. Et on a monté la deuxième session des ateliers d'écriture, donc chansons debout. L'idée, c'est tout simple, c'est qu'on écrit une chanson sur la place avec qui veut participer. La dernière fois qu'on l'a fait, on était 25 au milieu de la place. Aujourd'hui, on était un bon 10-15 qui se sont mobilisés pour écrire cette magnifique chanson sur le 49-3. Aujourd'hui, on était sur un plus petit coin de la place de la REP, on était un peu plus isolé, donc on avait un peu moins l'effet de foule qu'on avait eu au premier atelier. Là, je te dis, on était en général une petite dizaine sur l'atelier cet après-midi. Il y a eu un peu de turnover, mais surtout, les gens, ils ont bien fixé, ils sont bien restés. On a eu quelques personnes vraiment extraordinaires sur l'atelier. L'ambiance était parfaite, quoi. Et comme à chaque fois, en fait, qu'on monte des initiatives comme ça, les gens ils sont attirés par la musique. Tout d'un coup, on leur dit que c'est facile d'écrire et de produire des chansons, et ils se rendent compte que c'est vrai. Donc, c'est que du bonheur. La méthode est la suivante. On se pointe avec Loka Tangata, on envoie une paire de chansons révolutionnaires histoire de dire aux gens qu'on est là. On fixe les gens qui sont là, on leur dit venez écrire une chanson avec eux. On fixe un thème ensemble, en l'occurrence aujourd'hui c'était le 49-3. Et là, on se met à rentrer d'abord dans un brainstorming assez long dans lequel on dit le 49-3, ça nous évoque quoi. Et là, les gens ne peuvent pas annoncer tous les mots qui leur viennent à l'esprit. Ces mots, on va les mettre par liste alphabétique. Et là, on accumule, je sais pas, 300 mots, 400 mots de vocabulaire. Une fois qu'on les a, on se divise en sous-groupes, et chaque sous-groupe écrit un couplet. En l'occurrence, on en fait 4. Ça fait à peu près 6 strophes chacune, commençant à chaque fois par une des lettres de l'alphabet. Sachant que les lettres de l'alphabet et tout, en réalité, on s'en fout, ce n'est qu'un prétexte pour que les gens, au départ, lâchent leur créativité sous forme de jeu, quoi. Donc, bah, tu vois, les sous-groupes font leur petit couplet. Ils sont hyper autonomes. En général, ils se prennent très vite au jeu. Ceux qui ont fini plus vite viennent aider ceux qui finissent plus lentement. Pendant ce temps-là, avec Loka, on est derrière en train de gratouiller, de chercher un refrain et des accords. Ensuite, bah, quand les gens ont fini les couplets, ils les amènent, on se les propose, on voit s'il y a des légères modifications à faire. En général, il n'y a pas grand-chose. Et nous, on leur donne à valider la mélodie et le refrain. Voilà, encore une fois aujourd'hui, bah, on s'est bien trouvé sur cette formule et ça nous a permis d'écrire une chanson à 15 en 3 heures. L'avenir de cette chanson, bah, elle est en Creative Commons avec interdiction d'exploitation commerciale. Ça veut dire qu'on a toujours la propriété intellectuelle de ce truc-là. Quand je dis on, c'est tous les co-auteurs de cette chanson-là. Donc on ne peut pas la reprendre par exemple pour mettre des paroles nazies dessus. Par contre, on ne peut pas non plus la reprendre pour la vendre. Par contre, elle est reprenable par qui veut, du moment qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale. En ce qui concerne l'avenir de cette chanson, bah, y a TV Debout qui l'a captée aujourd'hui, donc on va la faire tourner par YouTube sur ce biais. D'ailleurs, je vous encourage à regarder TV Debout. Et puis, on espère qu'elle va faire son petit chemin dans les manifs. Alors, est-ce qu'on peut se modifier? On se fait des petites modifs? Ah oui, et on va la chanter en AG aussi. Et on la chantera aussi demain à partir de 19h-19h30 sur la scène musique qui s'organise sur la place de la Règle. Moi je suis chanteur et claviériste dans un groupe de post-punk, donc oui je suis habitué. Alors moi je suis pas du tout habitué, enfin je suis habitué à venir à Nuit Debout, mais j'avais jamais chanté à Nuit Debout. Et en fait, je connaissais le chanteur d'actualité et quand je l'ai vu, j'ai attendu parce que comme il avait déjà fait cet atelier, je savais que ça allait recommencer et j'avais vraiment envie de participer. Donc voilà, je suis très contente d'avoir participé à ça. Pareillement. On a fini, vous allez nous aider à finir. Ils sont superbes. Ouais, ils sont très bien. J'invite tout le monde à aller chanter en manif. Ouais, faut les apprendre. Voilà. Le meilleur champagne, à sabré par le peuple et pour Marianne. Ça c'est notre star. Mais si, tu alors t'as kiffé bien. Sérieusement? Bah oui. Comment te dire que non? Parce que la chanson déjà elle est parfaite. Y'a rien à rajouter. Les sauteurs ils étaient parfaits. Enfin tous. Toi aussi? Moi, je suis nulle, j'ai pas écrit. Celle-là, elle l'écrit, vous l'écrivez. Mais non, c'est lui qui a écrit. Donc, tu vas pas me faire dire que c'est moi qui ai écrit ton truc bizarre. Ah, si. J'avais juste un peu. Je vais essayer tous les jours
pour voir il y a quoi d'actualité sur sur New Debout. Donc maintenant je suis venu, j'ai contourné l'aire de jeu et j'ai vu François et son acolyte. Voilà, après maintenant je leur ai demandé ils faisaient quoi et après bah, il m'a dit qu'ils faisaient des chansons. Je lui ai demandé s'il pouvait chanter. Après bah, j'ai chanté deux trois morceaux de Brassens. Après maintenant il y a un monsieur qui est venu m'aider et il m'a donné une phrase. Et la phrase maintenant ça a été ma phrase fétiche. Après maintenant durant le refrain devant la représentation tout à l'heure, la phrase elle était parfaitement réalisée que j'ai dû faire que j'ai dû la faire tout seul. C'était terrible. Bref, j'ai kiffé. En fait la musique c'est la langue universelle quoi. Genre tu viens, tu participes. Même si tu connais pas la langue, après tu t'habitues et ça devient genre vite fait quoi. Ok. Allez, vidéo, ok. Allez, 49-3, se donne le droit de se mettre à la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire est fière d'écrire ses lois. Bravo. Leur patron est prêt à les foutre dehors s'ils se mettent en grève. Hein, quand c'est possible. On voudrait vous présenter l'atelier Chanson Debout qui s'est réuni pour la deuxième fois aujourd'hui sur la place de la République. Aujourd'hui on était entre 10 et 15 selon le moment de la journée pour écrire. Il y avait des gens déterminés, il y avait des gens créatifs, il y avait des gens qui étaient méchamment déterminés à vous donner leur vision du 49-3. Aujourd'hui c'était motion de censure populaire en musique pour toi camarade Manuel. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 49 fois, on se donne le droit de faire opinion. Cette motion de censure, le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Tout le populaire est fier d'écrire ses lois. 49-3, déni de démocratie. 49 fois, et tu deviens écran aussi. Si le débat n'a pas lieu, une fleur se frappe. Aujourd'hui on manifeste pour notre avenir. On passe la nuit dehors dans le but de choisir le meilleur champagne à sabrer pour le peuple et pour Marianne. 49 fois, on se donne le droit de mettre à la figure cette motion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Mickaël, tu vas te concentrer un petit peu parce que tu dois chanter toute la chanson avec nous. Alors attends, reprendrai. On passe au deuxième couplet, les amis. Toutes ces manifestations, telles des mutineries, au mépris de ces sales manigances milliardaires, minorités manipulées, mais sans douceur, négligées, dissociées, opprimées, oubliées. Ouvrez-nous sous les boumics et vous tournez là. Écrivons ensemble les règles du monde d'après. Du monde d'après. 49-3, on se donne le droit de mettre à la figure cette motion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Sur le populaire et bien d'écrire ses lois. Eh Manu, ce prochain couplet est pour toi. Ton intelligence est égale que ton impuissance. Je lui jongle le visage avec aisance. Et lors de l'enjoué dans ton humanité, lamentable, tu lui donnes de l'hypothèse. 49-3, on va sortir le catalan. Tu nous caves, tu nous casses, la gastro sera pour toi. 49-3, on se donne le droit de faire la figure. Une salopard saignant le salariat. Tu imposes ta tyrannie au code du travail. Vendetta contre la violence de l'État. Unité contre ton monde ultra-libéral. Contre ta police et ton 49-3.
on conteste, on se mobilise et on vaincra, on vaincra. 49-3, on se donne le droit de mettre la figure, cette portion de censure. Mon peuple s'organise, écoute son cœur, il savoir. Censure populaire et fière de ses dires, ses droits. Le droit de te mettre la figure, cette notion de censure, le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire et fière d'écrire ses lois. Le peuple s'organise, le peuple s'organise, écoutez vos corps de sa voix. Censure populaire et fière. Hasta la música siempre. Merci beaucoup, chanson de vie. Rendez-vous demain pour le global de vie.